Bon, comme dit dans la précédente vidéo, Une ça sera une vidéo vidéo à chier. à chier. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo à chier. À chier. Pourquoi? Parce que je suis pressé. Donc le déballage va être vite fait. Vite fait, bien fait, enfin, j'espère, parce que là. Vous avez vu, Tralino, hein. Le caca qu'il me faut. C'est bien. Alors, je déballe vite fait, pourquoi? Parce que. Mais oui, mais fais, déballe, déballe, Oui, déballe. voilà. Bah, t'es bon que tu veux, c'est même pas encore assez. Il est quelle couleur? Il est blanc. Ah, il est blanc. Il n'y a pas de gris? Ah bon? Ah ouais, non, il est blanc. Tiens, ça tombe bien. Il est arrivé À à expiration. expiration. Hop. Toi qui Donc, disais t'en avais plus. présentation du bac. Très rapide. Je vais voir après la manœuvre. Non, il y a même la facture dedans. La facture aussi. Ah, la facture. Je peux vous dire que c'est pas donné, hein, ce machin. Oui, mais c'est costaud. Et c'est bien parce que, regarde, ce Non, mais ça bac-là, vaut. ça vaut le coup parce que ce bac-là, il se lave et tout. Alors, je vous montre la face cachée du truc. Donc là, bah, un petit sac poubelle. La petite matière du fond. Une petite pub. Que tu liras jamais. Ah, c'est une pub. Oui, bah, je te connais. Le seau qui va bien. Ça, c'est pour quand tu dois te balader pour les vider. Donc, je vais déjà faire voir comment ça se remplit. Voilà. Tu vas le remplir? Ouais, c'est pour ça que je me dépêche. Ah, ok. Ah, bah, Alors, c'est bien. c'est important, le petit soit pipi. Il est petit. Un petit soit pipi. Ouais, là, il est Ça, petit. pour empêcher les odeurs du bébé. C'est à combien de litres? 5 litres, je pense. 5 litres. Ça Ouais, fait. c'est un petit pipi. Donc, en dessous, il y a le système pour mettre le capuchon d'origine. Qu'on met au-dessus quand on va se balader, pareil, pour aller vider. Ouais. Hop. Pourquoi c'est aussi rapide? Parce que je veux voir comment ça fonctionne. Donc là, le petit sac. Hop. Qui va bien. Après, on est Et c'est protégé de penser. des sacs jetables. Ouais. Recyclables. Ils sont pas recyclables. Ouais, ils sont aussi tables. Bon, C'est-à-dire que sur le temps, tu recycles. là, on ouvre le sac. Le sac est dû ouvert. Ah. Jusqu'en bas. Il craque. Ah bah ça c'est ballot. Ça non. Allez. Hop, on recommence. Je suis de ma faute en fait, je crois que je l'ai arraché. Ah bah ça, hein. T'as voulu Voilà. aller très vite et puis bah voilà. Ouais, bah. Ouais, mais normalement ils sont censés être costauds les sacs, non? On a la preuve. Ah, ah bon. Mais c'est pas les mêmes que les autres. Les autres, il n'y avait pas de la petite poignée, Ah elle oui, il était n'y avait droite. pas de poignée pour fermer. C'était droit. Ouais. Du coup là, Je hop. te fais enfin un test d'étanchéité après. Attends, comment tu mets alors du coup? Hop. Ouais, c'est mieux. Vachement que j'ai une pub pour les préservatifs. Ouais. Comment tu le mets? Alors Tant les besoin oreilles, on les passe là. de toi. L'autre oreille, on la passe là. Voilà, c'est bien. Petit peu de copeau au bout. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont. Bien. Hop. Regarde, ça se glisse automatiquement dedans. Hop. Ça sent bon pour l'instant. Ouais. Le caca au fond, le pipi au bord. Voilà. C'est bien? Je vais essayer de bien viser, pas faire de traces. Voilà. Franchement, il est déjà en train de l'essayer. Je pensais pas qu'il était en train de le faire. Voyez-là. Je vais vous faire voir par l'arrière parce qu'on n'a pas encore fait bien fermer. Alors regardez. Il est vraiment bien en train de Toi, l'essayer. tu Non. filmes en Vous plus. voyez? Non, mais arrête! Vous voyez? Il est en train de bien Non, mais l'essayer. je voulais te voir juste à l'intérieur. C'est Ouais. fou, il y a du monde. Bah c'est bien. Alors du coup, ça fonctionne. Ah non, maintenant tu m'as coupé l'idée, hein. Non mais tu peux pousser, vas-y, Bah non, pousse. elle était avec tout rouge. Bon allez, on va le laisser faire caca tranquille. Mais non, c'est bien. T'es bien là-bas au fond? Bouge. Ah, ok, d'accord. Bon bah, j'étais pas bien. Et j'ai le PQ qui est là-bas en plus. Ah oui, le PQ est juste là-bas. Bah je l'ai pris, je l'ai posé là-bas pour rentrer le chiot et Il puis est ouais. juste Allez, c'est là. bon, allez, il est Il est juste là. là. Bah ouais, Mais. mais là, tu vas respecter, empester le camion. Ouais, bah allez, bouge. C'est bien, on a fait une grande porte Oui, d'aération. mais.
Allez, bon, allez, on va le laisser faire caca Trélino. J'aurais dû mettre la porte, hein, prochain ouais, truc. Ouais, prochain truc, tu mets la porte. Placement de ma télé. Allez, derrière, là, c'est le coffre. Hop, t'es assis, là, hop. Là, ici, c'est quand t'es assis. Version repas. Donc là, comme ça, on va en avoir pas. Voilà. Une fois que le lit sera descendu, arrive à cette hauteur-là. Version lit. Voilà. C'est bien. Comme ça, on a la télé. Oh, moi, je peux encore jouer sur mes réglages de hauteur. Il manque un peu de glace sur le bord. C'est normal. Encore une commande reçue. Hop. J'espère que c'est l'Italie. J'ai même pas vu ce que c'était sur le truc. Je sais pas, j'ai eu des autocollants. C'est l'Italie. C'est ça. Hop, ça c'est mon chargeur que j'avais demandé. Hop. Ah oui, tu vas pouvoir le mettre en dessous du. Ça, ça fait des un million d'années que je fais ça. Pour charger mes batteries lithium. Hop. Particularité de celui-là, hop, c'est qu'il y a des fiches en clipsable. Que je peux changer des deux côtés. Tu vas pouvoir finir ton électricité, tes ouais. Tableaux. Alors, pourquoi? Parce que regarde, ceux-là, ils ont des fiches en clipsable, regarde. Chlic. Ah oui, c'est mieux alors. Ah oui. Tu sais, pour d'habitude, je débranche toujours mon installation, machin, tout ça. Ouais. Là, il n'y a pas de grain. Non, même les cosses, les machins. Ah, t'as mis la totale, quoi. Oh, même la notice. Non. Oh. Une notice. Ils savent que tu sais pas les lire. Ça, franchement, ça, c'est ce que j'attendais depuis... Ouais. Avant j'étais né. Déjà en Grèce. Déjà en Grèce, ouais. Ouais, c'est vrai. En Grèce, tu l'avais dit. On avait dit un jour, je te le commanderai. Il faudrait que je m'en prenne un truc comme ça, machin, pour l'acheter pour l'installation. Et puis bah là, tu vois, hop, c'est bon. C'est arrivé. C'est arrivé. Et puis là, je crois que cette batterie va être ici. Qui va bien avec. C'est une combien ampères la batterie? On va le dire après. En fait, si tu veux, ça, je voulais le mettre pour le Mercedes. Ouais. Et du coup, tu le mets pas pour le Mercedes. Oh, je sais plus. Bah, c'est ça qui fonctionne bien. Ah, c'est vrai que. Ouais. Parce que rappelle-toi, je t'ai dit la fois dernière, tu m'as dit, oh, tu recharges jamais la batterie. Ah, bah non, je recharge jamais. Hop. C'est bien ça. Tu vois, c'est quoi ça? Bah, ça, c'est toutes des petites. Les notices. Mmh. Ah, ouais. C'est bien présenté. C'est bien, mis dans une petite pochette. Très bien. Comme d'habitude, on va pas perdre. Oui. Une petite centaine. Bon, je vais le voir dans une autre vidéo, parce qu'il faut encore que je fasse le montage sur l'autre. Regarde, une vraie poignée. Ah oui, d'habitude, petite c'est des taille. Ficelles. Ah ouais. Ah oui. Non, si, ceux-là, ils sont quand même pas mal. Ils sont pas mal foutus. Ah ouais. Pas mal. S'intégrer, enfin tout ce qu'il faut. Quoi. Et tout ce qui. C'est marqué quoi? Ah, c'est une 100 ampères. 50 garantie. Tourne. Ah ouais. Et en gamme de poids, ça pèse combien à peu près, tu crois? 2 livres au kilo. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Je sais pas. Tu veux vraiment à peu près. S'appelle bah, je... Ah ouais, tu regardes par rapport au carton. Bien. Il n'y a pas le poids sur le carton? Parce que souvent, ça le fait, hein. Non? Ah. Attends, coupe deux secondes, je regarde la notice. Ouais. Alors bon, le poids. Je continue. 7-8 kilos, parce que j'étais au téléphone donc. Pareil, les abonnés qui étaient. Ouais, ils sont en panne au Portugal, ils n'ont pas arrivé à la. Ils m'avaient déjà appelé déjà un moment et en fait, ils ont trouvé un réparateur là-bas qui ne veut pas leur réparer. Bon, c'est pas grave. Ils ne savent pas faire parce que par rapport au tuyau. Ouais. Mais bon. J'ai vu que tu étais en train de me filmer, tu vas mettre le truc en accéléré. Je vais mettre le truc en accéléré et vous allez voir comment il parle. Donc 8 kilos pour cette petite batterie, à peu près. À peu près, hein, vu d'ailleurs. Un c'est peu plus lourd que tous les autres, par contre, ils ont bien les petits stickers et tout, franchement, c'est pas mal. Mm. Si on peut pas trop se tromper. Ah oui, d'habitude, c'est sur les capuchons. Ouais, ouais, que là, c'est collé. Ouais, mais là, je ferai un tuto sur l'installation électrique. Ouais. Parce qu'on m'a demandé de faire un tuto pour l'installation électrique, mais le truc, c'est que bah, dans le camion, c'est un peu compliqué de faire un tuto. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai ajoutées, machin, vous allez vous perdre. Et je ferai un petit truc vite fait sur l'installation 12 volts. Bon, comment on fait les 12 volts? J'attends que j'ai fini mon truc et tout ça, et puis je ferai
Parce que j'avais fait en 24 volts, je voulais avoir un petit truc en 12 volts, comment on monte avec un kit solaire simple. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai un petit panneau normalement. J'ai bloqué. Je sais plus. Au Mercedes, on a été le mettre au Mercedes. On l'a mis au Mercedes? Oui. Bah, où? Je sais plus, mais. J'ai un petit panneau. Je vais faire voir ça avec un petit régulateur, un truc facile à faire, que vous pouvez tout monter vous-même. Mettre sur une petite planche, faire voir comment ça va, machin. Comme on avait fait un coup avec les rododos. Ouais, voilà. Je vais voir ça avec ça pour du 12 volts, raccordement. Bon, bah, moi, en tout cas, je vais installer mon chargeur directement dans le camion. Bon, bah, allez, hop, je te suis. Ça y est, tu vas t'installer. Bon, là, tu vois, j'avais fait une réserve de place. Pour ça, justement. Bam. Tu vois, regarde. Hop, l'e-time. Donc là, tu vois, je vais garder mes. Je vais faire un truc pour l'allumer pas le dessous. Je vais le garder vers le haut, ça. Parce que je sais pas si on peut le mettre dans. Je pense qu'on peut le mettre dans toutes les positions. Mais là, du coup, c'est du 12 volts 8. Enfin, 12 volts pour les batteries. Donc, voltage d'alimentation, c'est du 240. Entre 100 et 240. 40 ampères de charge. Et puis 14,6 de régulation. C'est déjà pas mal, ça. Ben, c'est amplement pas mal, ouais. Ouais. Oh, ça faisait un moment que j'attendais ça. Il est content, hein. Il a eu son petit jouet, il est content. Ben, hein. C'est pas un petit jouet, mais c'est. Pour toi, oui, c'est ça. Je complète mon installation parce que d'habitude je peux jamais les charger. Et en fait, ce qui est bien, c'est que bah, là, je suis en train de monter mon installation. Bon, là, c'est un peu le bordel, c'est normal parce qu'on raccorde les fils. Et puis Isa a pris un truc, c'est à tester les fils. Oui, c'est vrai. Hein? Maintenant, à mon âge, j'allais dire mon âge, mais je le dis pas. Et bah, donc, hop, je sais maintenant tester un fil. Je vous le ferai un coup. Bah, de l'autre côté, tu prends ton fil. De l'autre côté, en mettant au bout. Ouais. Hop, mettons, je veux tester celui-là. Je dénude, je mets un côté, je les lis les deux, le bleu et le marron ensemble. De l'autre côté, j'arrive au bout et je teste sur tous les fils, voir si ça fonctionne ou pas. Avec un petit appareil qu'on a eu, que ça va très bien. Le test semaine, oui. Bon, en fait, au début, je dis, ouais, je vais prendre ça pour le tester, ce machin. Puis en fin de compte, je l'ai adopté. Oui, voilà. Et on l'a tout le temps avec nous. Alors, pour moi qui est intelligent, ça va. Mais pour elle qui est bête. Oui, bah non. Et alors, l'électricité, c'était pas mon domaine. Hein. Non, mais en fait, ce truc, c'est que ça sélectionne automatiquement. Tu vois, quand tu vas tester tes fils, en fait, ça va se tester. Et aussi bien que tu mets dans du 230, hop. Regarde. Ça te donne du 230 sans appuyer sur un bouton. Et elle va trouver éclairage et tout le machin. Ça, c'est bien aussi. Comme ça, t'es tranquille. C'est un truc qui vaut rien en plus. Ouais, on a eu ça. Je sais plus, un moment déjà, je l'ai eu. Ouais, avec... et puis il y a la pochette et tout qui va bien avec. Ouais. J'ai vu ça il y a un moment. Et franchement, t'as vu, t'as appris à faire ça. Ouais. Bon, allez, on revient à nos moutons. Ouais. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Ici. Ah bah oui, nickel. Ça va commencer à se compléter. Et ici, il ne me reste plus que mon DC-DC. Et du coup, ça, tu dois l'alimenter où? Alors, ça hop. Bah ça, je vais voir comment je vais l'alimenter. Enfin, une fois que ça fonctionne, quoi. Okay. Là, pour l'instant, je suis... en pleine réflexion. Je vais y arriver. Alors là, ça marche avec... du courant. 230. Ça marche avec ça. Comprise. On vient de mettre ici. Mais j'en ai des prises vierges comme ça. Enfin, vierge. Hop, tu vois, ça, tu vas le brancher dans une prise. Hop. Et puis, bah, ça, tout bêtement. Ça vient recharger tes batteries lithium. Okay. Avec un petit bouton de coupure, en fait, ça, c'est vraiment bien aussi. D'accord. Mais du coup, là, les deux câbles, parce que tu as... Ah oui, tu le mets directement sur la batterie qu'on a derrière. Sur la batterie. C'est en fait, c'est simple. Mais moi, ça me permet de recharger toutes mes batteries. Ah oui, d'accord, ouais. Comme tu ça. Tu vas tromper. Ouais. Plus, moins. Hop, ok. Ça, c'est bien ça. Au moins. Ça, je vais percer un trou un peu plus grand pour passer ma cosse directement là-bas dedans. Je vais l'accrocher avec les colson. Enfin, tout mon bordel qui est là, quoi. Ok. Bon, bah, nickel ça. C'est bien. Je te monopolise pas trop longtemps non plus. Bah non. Ça, c'est les petits trucs. Je reparlerai de. Une fois que ça fonctionne, comment ça fonctionne bien. Voilà, puis les branchements, bien, où il faut le brancher, comment il faut le brancher pour pas avoir le feu, quoi. C'est ça. Ah, ça fonctionne. T'as pas de cheveux, ça s'est pas dressé. Ouais, ouais. Bon, allez. J'ai pensé ce que t'as pensé là. Non. Non, les arrête gens... parce qu'on va dire après. Gens, c'est plus dire... les vidéos de Van Leifert. Mais si, c'est quand les vidéos de Van Leifert? Allez. Ouais, bon. Allez.
Bon, je vais brancher sur mes batteries derrière déjà, je vais voir si ça charge, je vais raccorder au Au courant de celle de courant. là-bas. Donc le petit voyant qui s'allume, et normalement ça va se mettre à ventiler. Pendant que ça chauffe, voilà c'est froid. Mais ça doit déjà charger de l'autre côté. Voilà. Ok. Et ça c'est en mode chargement, ça me recharge ma batterie, et après je peux m'en servir ici. Voilà, j'ai quand rien de raccordé, hein, ma batterie ne peut pas raccorder. Et juste raccorder ça directement sur la batterie. Ouais, pour que la batterie elle se recharge quand même, voilà. Parce que pour l'instant solaire, on est Non mais dans un je vais les hangar. mettre, comme j'en ai deux de batterie, je vais les mettre deux à la même tension. Ouais. Et puis après, une fois que j'ai fini et qu'ils sont à deux à la même tension, je les raccorde tous les deux sur le même. Ok, bah comme ça on t'expliquera bien, vraiment bien À les la fin, branchements. là, je suis En plein au débat. test et au démarrage, et puis Mais ça me charge déjà 40 ampères. Hein. c'est pas mal ça, 40 ampères. 40 ampères, c'est bien, hein, en charge. Ouais. Bon, quand tu vois un chargeur de moto, c'est 1 ampère, voire 2 ampères. Ouais. Les chargeurs de bagnole, c'est 10 ampères ou 15 ampères. Oh là, t'as quand même 40 alors, ouais. Et en fait, si tu veux, sur les autres appareils que j'avais Victron, je vais regarder sur internet pour ne pas te dire de bêtises, quoi. Hop. Du coup, ouais. C'est vrai que sur Internet, on a tout, hein, quand même. Tu vois, on a tout. Hop, comment il fait? Tu vois, à une 30. sortie, t'es à Ah ouais. 30 ampères. Ah oui. Tu vois, 30 ampères. Ouais, là c'est du 40, donc c'est pas mal alors. Ouais. Ça va recharger plus vite. C'est ça qui est bien. Après, tu peux mettre jusqu'à combien de batteries dessus, je veux dire. Normalement, c'est une. Une batterie de combien de... Bon, je dirais 150 ampères en moyenne, mais là, tu fais genre 40 ampères, tu peux mettre 200 ampères. Ok. Ouais, bah donc ça va quoi. Mais Ouais. plus tu mets d'ampérage, ouais, plus tu mets d'ampérage, plus tu mets la batterie qui est grosse, plus tu mets longtemps, c'est ça qui est. C'est ça, ouais. Voilà. En fait, c'est pour dire d'avoir une charge normale, quoi. Je suis en train d'essayer d'être sur le site, mais mon téléphone, il bug. Ouais, mais à force avec l'écran et puis ton pouce, à force de travailler et utiliser. Ça va pas être ta langue. Moi, c'est ma langue et toi, c'est ton pouce. T'as vu ça, toi? C'est déjà pas mal. Ah, donc, on fait la paire. Attends, je cherche, je te donne ça après. Ah, ok. Bon, je viens de regarder sur l'appli. Il est à 189 à 190 balles. Ouais. Au lieu de 339. Donc ça va, hein, pour un 40 Ouais, c'est bien. ampères. En moyenne, chez Vitron, tu trouves les 30. Donc là, tu trouves en 40 ampères, c'est normal. C'est bien. Adjugé, vendu. Vendu. Allez, après le courant qui a branché son petit truc, on s'occupe de la télé. Comme ça, je vais voir si l'appli charge. Ouais, voilà aussi. Et du coup, j'ai dit, c'est vrai qu'à chaque fois on est obligé de mettre beaucoup de son parce qu'il est sourd. Il est sourd. Si, t'es sourd. Non, je suis sourd, c'est que je t'écoute pas. Ah oui, c'est ça, ouais, bah, tu m'écoutes jamais. On modifie la prise. Donc du T'as coup, modifié la prise. hop, et on a ressorti la télé qui montait et qui descend. Et puis comme ça, on a le petit L'avais fait voir homme. qu'elle montait qu'elle Si, descendait? oui, je l'ai Hein? fait voir. Bonjour. Bah, dans cette vidéo-là, mais un petit peu plus avant. Oh, c'est bizarre, je Oui, crois mais en toi, fait. tu suis pas les vidéos, tu sais pas. Moi, je sais Tu m'as les filmé à vidéos. mon insu encore une fois? Voilà, c'est ça. Et puis hop, comme C'est ça, parti. on a le petit homme cinéma. C'est une barre de son, ça. Ouais, une barre de son Qui fait du son. qui va bien. Alors, je sais pas si j'ai envie, je vais pas y mettre Et comme ça, va être incrusté deux gros scotch. derrière le siège, comme je vous avais fait voir, Ah, qui monte et qui ça me paraît descend. bien, ça. Bah oui, très bien. Ah, du bon son, on va avoir une belle télé. Très bien. Non, on n'aura plus qu'à tester. Le poids, bah, je pense que c'est bon parce que les moteurs, Ben, ça allait 80 kilos, 80 kilos, ça, t'as pas 80 kilos. Donc, on vous fera tester après, on va remettre tout ça. On va tester la télé. Donc, là, pour l'instant, c'est provisoire. On monte. c'est provisoire, c'est de bon. Oui, non, mais je veux dire, tous les coffrages sont pas finis, quoi. Là, mes gars, ils sortiront d'ici. Pour l'instant, ça La va. prise, ouais, on va mettre une prise en bas. Comme ça, il y a la barre de son qui va bien avec. Et hop, elle s'arrête automatique. Ça, c'est quand le lit il est en bas. Position stand de tir. Voilà. Je dis correct, voilà. Là, ben, on redescend. Si on veut regarder au face à face, vous voyez, hop. Et puis comme ça, comme Jérém, il s'assit. Oh, tu vois vachement bien. Et on voit la télé. Tu sais ce qui manque? Ah, qu'est-ce qui manque? PlayStation. Ouais, c'est vrai que
Un jeu gamer. T'aimerais bien, hein? Ah, j'aimerais bien. Ouais, bon, on verra mais peut-être par la suite. Les longues journées d'hiver. Devant la mer. Devant la mer. C'est ça qu'il faut. Ah oui, si. Ouais, quoique, bon. Ah, si, on a encore la place hein, pour mettre une. Comment on appelle ça? Un jeu, une PS4 ou une PS5. PS5. Ah ouais, non, on est passé sur les PS5 maintenant. Oh, je Qu'est-ce que t'en vieillis. penses? J'en rajoute Ouais, une ben. ou quoi? Et de quoi? Une prise? Une PS5. Ah, bon, on verra bien par la suite, J'ai un peut-être. tout. Bah là, bah elle passe hein, dans le petit coffret du bac à eau. On n'a pas encore fini là. Tout Non, là, bah c'est non, pas je encore vais avec fini. tout ça au-dessus et tout, ça va être la merde. Bah, au moins, elle va être protégée. Ou là, hein. Là, il va avoir le verre. Mais à côté du berquet, quoi, tu Non, vois, on mais il va se voit. poser dessus. Mais non, pas collé. Parce que ta Play 5, elle fait ça à peu près. De dimension. Ouais, ça peut Ouais, être. c'est pas large. Hein. C'est pas large. Donc après, là, on J'y va pense faire plus, les t'as pas. Attends, regarde. coffrages. Regarde les deux cordes de câble. Ici, j'ai quand même mon L'antenne. papier. Parce que là, c'était ce qui était avant, mais je veux pas tout en démonter. Donc, Bah, ça sert à rien, il ça, faut je déjà vais mettre une passer. rallonge, je vais le passer là derrière, bien accrocher là-bas en haut. Je vais le faire descendre ici, regarde, tout est déjà prêt. Tac, 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 Ouais, tac. est-ce qu'on va remettre la télé Descendre électrique ici. aussi? La parabole. Ouais, c'est la parabole qu'on va mettre au-dessus Dans l'eau. électrique. Voilà, maintenant tout va être électrique. Tout. Tout est On électrique. va plus rien faire quoi, à part Non. appuyer sur un bouton. Puis ce qui est bien, là on va faire les coffrages. Puis après ça va tout, beaucoup tout ce qui est finition et tout ça va être J'aurais long. voulu Mais j'ai voir si des tout idées. fonctionnait avec deux boutons, ça va. Pourquoi deux boutons? Attends. Qu'est-ce qu'il va chercher? Besoin. Qu'est-ce qu'il va Pas tant de faire? besoin. Il dit de couper, couper, couper. Ouais, non, j'ai coupé parce que j'ai reculé. Mais on voit bien, de toute manière, il faut que tu nettoies. Oui, mais c'est pour gagner du temps. Ah, c'est pour gagner du temps. Bah, vas-y, gagne du Dans une temps. vidéo. Du temps de vidéo. Bah, c'est pas grave, ça. Les gens, ils aiment bien quand ils nous écoutent. Alors, je sais pas si tout était regardé. Ici, c'est quoi? Ça, Là, c'est j'ai la la télé. télé. Ça, c'est le lit. Voyez, le lit qui descend, qui va bien. Voilà. Du coup, le lit, il est posé sur ça. Mais on n'a pas encore réglé au niveau des sangles, ça on va le faire après qu'on a le matelas. Non, mais je veux qu'il y ait du libre. Il est posé là-bas, en dessous, toute la longueur, comme c'était prévu. Là-bas, dans le coin. Et la télé qui est montée, qui se monte pour qu'on regarde la télé face à Putain, face. ça, hé, franchement, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais jamais rêvé. C'est... Puis là, Hop, on rebaisse la télé. on va y avoir des coffrages un peu Il partout. peut allumer le lit en même temps, il peut remonter le lit en même temps. Du coup, c'est la vis peut-être, hein, et le truc de vis. Voilà, hop. Et tu peux remonter le lit. C'est bon, hop. Oui, mais tu vas pas t'amuser tout le temps à faire monter, descendre. Et c'est comme à l'hôpital. Monter, Jour, descendre, nuit, jour, jour. nuit. Et là, vous voyez, le lit qui se coulisse. Il y a un poil de pied de chameau, mais ça passe. C'est... Ouais. Mais de manière, on voulait pas... Vas-y, descends. Non, c'est sûr. Ouais, vous avez vu? Ça rend, non, mais il y a encore 3 mm. Mais 3 mm, c'est bien assez. Mais ça peut pas toucher, hein. Ouais, non, c'est bien. Parce que j'ai mis ça. Regarde. Ça touche là-dessus. Oui, bah oui, Après, je le j'ai sais. 3 mm, 3 mm ici. Ouais. Par contre, j'ai une vis là qui va me faire chier. Qui va t'embêter. Qui va Bon, m'embêter. puis on va faire les coffrages, tout, mais bon. Pour ça, je pense que ça sera sur une autre vidéo Mais parce c'est que sinon bizarre, ça c'est va que être ça trop long. m'embêtait pas juste avant. Ah oui, De donc tu quoi? sais quoi? Ouais. Je sais pourquoi, parce que j'ai mis ça. Donc Et ça ça, fait du poids pour le non. pousser par le bas. Ah oui, peut-être. Oui, c'est sûr, c'est ça. Bah, du coup, il revisse une petite vis parce que c'est vrai que Je dévisse. tu dévisses. Ouais. Ah bon, il dévisse du coup. Pour que ça glisse bien dessus parce que des moments ça Non, mais accroche. c'était C'est des une petits vis, réglages. c'est pas une vis, c'est une vis avec une boule, une tête de boule, je Ah crois. oui, il faut avoir une vis avec tête plate, c'est Ouais. ça? Bon, on va mettre une vis à tête plate. C'est bon. Alors, ça va mieux ou ça va pas mieux? Non, mais c'est mes. Là, il faut que je fasse mes colsans, mais c'est bon. Merde. Du coup, ça sera rangé dans le placard. Voilà. C'est bien. Eh, ingénieux. Vas-y, remonte là. Moi, je veux regarder la télé. On va s'amuser à. Hop les. Encore un petit peu, je vois pas la télé à moitié, moi. Hein. Là, ah, ouais, là c'est bon. Là, c'est bon, t'es bien, Là hein? c'est bon, on est bien.
Il est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Une télé qui monte et qui descend. Un lit qui monte et qui descend. En sachant que on peut même dormir à 4 du coup. Parce qu'il y a ici. Non mais. Je suis un peu dans le lit. Non mais 2 en haut, 2 en bas. Mais bon, ça sera pas faisable. Mais on ne sait jamais si un coup. Mon dernier des garçons et puis ma petite fille qui viendrait. Hop, ils se glissent en dessous, ils peuvent dormir en dessous. Et ça fait un camion de 4 personnes. C'est pas mal, hein? Ouais, j'ai quand même un truc à tester, tiens. Ah, qu'est-ce que tu vas tester? Ouais. Pour savoir si mon bouton fonctionne aussi. Il va tester un bouton. Parce que je n'ai pas testé pour l'instant. Pour ton bouton de quoi? Pour Ah oui, le petit bouton. Allez, t'as mis ton bouton. Alors ça, c'est le volet ouvrant. Bon, on va pas l'ouvrir en grand, mais on sait que ça fonctionne. Ouais, voilà. C'est très bien. Il n'y a plus de la finition à mettre entre les deux, là. Ouais, voilà. Puis bah, du coup, on a le lit électrique, la télé électrique, le toit ouvrant électrique, la terrasse électrique. Bah, il manque plus que... L'électricité. C'est ça, l'électricité. Voilà. Là, je suis en train de faire mon truc. Ouais, bon, on est en train de tout faire et vous verrez ça dans des autres vidéos. Allez, on se dit à bientôt et à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.